Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du clicker training et plus particulièrement du conditionnement au clicker training. Pour cela, vous avez besoin d'un clicker, de friandises et de votre chien. 2-3 séances devraient suffire, pas plus de 10 minutes par séance suivant l'attention de votre chien. Qu'est-ce que le clicker training? Le clicker training est une méthode d'éducation positive qui se base sur la motivation de votre chien. Le but est de capturer et de marquer le bon comportement. Dès que le chien effectue ce que vous attendez de lui, alors vous cliquez et vous récompensez. C'est une méthode qui n'utilise ni contrainte morale ni contrainte physique. Tout est basé sur la répétition du bon comportement. Alors qu'est-ce que le conditionnement? Le conditionnement est l'étape primordiale où le chien doit apprendre que dès qu'il sera cliqué, il sera récompensé. C'est très simple, vous cliquez, vous récompensez. Ici, on va travailler avec un chiot de 3 mois qui donc n'a pas encore été conditionné. Elle ne comprend donc pas que le clic égale une friandise. Pour l'instant, elle n'attend que la friandise. Zoomer ? Bonjour ! Ouais, bien, Patrice ! Ouais, c'est bien. C'est bien. Là, vous voyez, sur un chiot de 3 mois, elle ne comprend pas que dès que je clique, elle va avoir une friandise. Tout ce qu'elle voit, c'est que je lui donne des friandises. Et puis, avec la répétition, elle va associer que dès qu'elle entend un clic, hop, ça signifie friandise. Prenez des petites friandises afin de ne pas gaver le chien. Après la première séance, elle ne comprendra toujours pas. Elle aura une sensibilité, c'est-à-dire que dès qu'elle entendra le clic, elle tournera un peu l'oreille. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment travailler 2 ou 3 séances. Afin de vérifier qu'elle ait bien compris, vous la laissez vaquer à ses occupations. Dès que vous cliquez, quand elle ne vous regarde pas, si elle tourne la tête et qu'elle revient vers vous, là, elle a compris qu'elle aura une friandise. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas grave. Simplement, faites une séance de plus ou peut-être un peu plus longtemps, suivant votre chien. Je vous ai préparé une petite fiche explicative que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo. Alors à bientôt sur Primitif Addict pour de nouveaux conseils.